يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأَشْهَدُ wa Bienvenue à vous mes frères et sœurs dans cette grande aventure que nous allons commencer ensemble, Inch'Allah. Cette grande aventure, ce voyage qui est le signe de l'unité des musulmans dans le monde vis-à-vis -vis de l'adoration de notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Cette aventure, elle se nomme en arabe As-Sawm, siyam pendant le mois de Ramadan le moins obligatoire pour toute personne qui dit La ilaha illallah par son cœur, par sa langue et par ses membres. Nous allons commencer notre aventure par essayer de comprendre le sens des termes qui sont employés. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous employions ces termes-là pour désigner ces adorations, c'est que ces termes sont extrêmement importants. Donc premièrement, nous allons nous mettre d'accord sur certaines choses. Le premier bon. élément, c'est que je ne vais pas utiliser le terme. Jeûner, le terme du carême, comme très souvent il est utilisé malheureusement en France pour désigner cette grande adoration qui est le Saum de Ramadan. Je vais garder le terme Saum ou bien le terme Siem pour désigner ce que l'on nomme en français le jeûne. Pour une raison très simple, c'est que le terme jeûne, le terme carême ont un héritage judéo-chrétien et correspondent à certaines adorations chez les juifs et chez les chrétiens, alors que le terme « Saum » est un terme qui est pris de notre religion, de notre mode de vie qu'est l'islam, et nous nous devons de revenir à ce qu'on appelle « Al-Alfaz », c'est-à-dire les mots qui ont été choisis par notre prophète, Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose sur laquelle nous allons devoir nous mettre d'accord, c'est que nous n'allons pas jeûner le mois de Ramadan, mais nous allons jeûner le mois de Ramadan, « Saum » ramadan, avec un dad l'origine de ce mot ramadan est un verbe qui est ramada qui signifie la chaleur extrêmement intense qui se dégage du sol et nous avons par cela un hadith du prophète alayhi wasallam, qui nous dit salatul awabin hina salatul awabin dans le sens de la prière, la sala des repentants. Son moment est lorsque le sol brûle les pattes des chamelons. Al-fisal, qui est le jam' de facile. Salatul awabina, hina, tarmadu, al-fisal. Et on en entend ce verbe-là, tarmadu, ramadan. De même, l'interprétation du mot ramadan, les savants ont divergé entre eux sur cela. Subhanallah, il y a trois paroles principales. La première parole est que lorsque les Arabes ont redonné des noms arabes au mois, le mois de Ramadan est venu pendant une période de canicule extraordinaire, subhanallah, pendant l'été. Ainsi les Arabes voyant tout simplement qu'il fait extrêmement chaud, ils ont, le plus naturellement du monde, nommé ce mois le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois où la chaleur est extrême. Le deuxième avis vis-à-vis -vis de l'origine de tasmia c'est-à-dire du pourquoi le mois de Ramadan est appelé Ramadan, c'est par rapport au fait que pendant ce mois, Allah Azawajel fait en sorte que les péchés soient brûlés. Et ce qui est brûlé disparaît. On demande à Allah Azawajel de faire en sorte que notre Saum de Ramadan soit accepté et que par cela, il brûle tous nos péchés. Amin ya Troisième interprétation possible, c'est. Le fait que la chaleur intense que l'on trouve dans nos gorges est la cause de la c'est-à-dire de pourquoi ce mois a été nommé le mois de Ramadan. La chaleur intense dans nos gorges, Incha'Allah. Afin de nous resituer dans le temps, le mois de Ramadan devient obligatoire pendant une année stratégique de la vie des musulmans. C'est la deuxième année de l'égir la deuxième année de l'Egyre. Et pour un petit peu plus nous remettre dans le contexte, souvenez-vous que la bataille de Badr a lieu pendant la deuxième année de l'égir le 17 du mois de Ramadan. Bien évidemment, des pages et des pages et des livres ont été écrits sur cette grande bataille j'espère inshallah avoir dans le futur l'occasion de m'arrêter avec vous sur cette grande bataille qui est pleine de leçons pour la communauté du musulman à l'époque du prophète sallallahu wa et aussi bien évidemment à notre époque à nous. Allah azza wa Jal, nous dit dans le Coran billahi minash shaytanir rajim rahim. Ya amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دونك الله سبحانه وتعالى ندي يا ايها الذين امنوا il s'adresse exclusivement aux porteurs de la foi c'est-à-dire aux gens qui attestent لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم puis il nous dit سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام le siyam est pour vous une obligation al tout comme il a été imposé obligatoirement aux communautés qui vous ont précédé la peut-être grâce à cela vous allez atteindre la piété une question se pose quel a été le type de saum qui a été imposé aux communautés d'avant nous bien évidemment les premières communautés qui nous viennent à l'esprit c'est la communauté des gens du livre Ahlul kitab premièrement les juifs avaient ce qu'on appelle Yom kibour Yom Kippour qui pour eux est un saum obligatoire, mais sous une autre forme que celle des musulmans, mais je ne vais pas m'attarder sur les différents rites dans leur religion. Nous avons aussi la communauté chrétienne, catholique, protestante, il a qui eux ont un jeûne qu'ils appellent le carême pendant 40 jours. Ces 40 jours font référence directe aux 40 jours durant lesquels, selon leur source à eux, Isa a. Jésus a été prouvé dans le désert par le diable qui, pendant 40 jours, l'a assailli de toutes parts afin de le détourner de la voie d'Allah Et pendant ces 40 jours, dans leur référence à eux, le prophète Isa a jeûné afin de résister à toutes ces tentations. De même chez les chrétiens, cette période de 40 jours se réfère aussi aux 40 jours de Moussa salam, de Moïse, lorsqu'il est parti voir, euh, lorsqu'il a reçu les tablettes révélées d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième et dernière partie euh, de cette courte intervention va traiter du comment les musulmans jeûnaient au début de l'obligation du mois de ramadan, du saum du mois de ramadan. C'était totalement différent de ce que nous connaissons. Les musulmans effectivement rompaient le jeûne à à l'aube de salat el maghrib mais à partir du moment où ils priaient salat el isha dans le hadith de Ibn Abbas radhiyallahu anhu lorsqu'il nous rapporte cette époque-là il nous appelle al-isha al-atmata kan an-nasu ala ahd ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idha sallaw al-atmata harma alayhim at-ta'am wa sharabu les gens à l'époque du prophète, وسلم, au début de l'obligation du Saum de Ramadan, lorsqu'ils avaient prié Salat al il leur était alors interdit de boire, de manger et d'avoir des relations charnelles avec leurs épouses. Et ils se devaient de jusqu'au jour d'après à Salat al-Maghrib. Donc à partir du moment où les musulmans avaient, soit premièrement, prié Salat al ou bien deuxièmement dormi, il n'avait plus le droit de manger. Puis ensuite, deux histoires bien distinctes euh, sont intervenues, et Allah Azzawajal, par sa miséricorde, pour nous, a changé cette première obligation avec cette première chose qui était assez difficile, euh, à partir du moment où l'on dort ou bien on prie l'Aïcha, on n'a plus le droit de manger, Allah Azzawajal a transformé cela par le fait de ne pas avoir le droit de manger à partir de l'entrée du temps d'Al-Fajr. Allah Azza nous dit dans le Coran Al-Karim "Bismillahir Rahmanir Rahim, et mangez Allah Azza par la suite, nous a ordonné, Alhamdoulillah, de jeûner et de manger jusqu'à temps que l'heure du Fajr arrive et de continuer ce jeûne jusqu'à temps que la nuit arrive, c'est-à-dire salat el maghrib, puis ensuite il nous dit, Thumma il Voilà pour cette courte introduction. Alhamdoulillah Rabbil alamin nous avons vu donc l'origine du mois de Ramadan nous avons vu l'importance d'utiliser les alfadh coraniennes c'est-à-dire les termes qui sont employés dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avons vu de même bihamdillahi azza wa qu'est-ce que signifie min qablikum comment jeûner les communautés d'avant nous et enfin nous avons fini par le fait de comprendre comment les musulmans jeûnaient au début sur ce à demain inshaAllah, et sahfthork يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون